Tu peux baisser un petit peu, ça joue un petit peu. Eh bien, bonjour, bonjour les amis. Quel plaisir de vous retrouver après un mois de vacances. Vous savez, vous m'avez manqué les amis. Et quel plaisir de vous revoir enfin. Et bien sûr, je suis accompagnée d'un artiste en exclusivité, hein, je dis bien, hein, en exclusivité sur Andy FM Martinique. Il nous a choisi justement pour se présenter, pour le découvrir. Et bien, c'est Harold Stewart. C'est bien ça? C'est bien Ça ton se nom? rapproche Ça se de la rapproche. perfection, Stewart. Stewart. Oh, pardon, autant pour moi. Mille excuses. Et puis, je suis toujours accompagnée de Paul au micro et à la technique, qui assure également la technique. Bonjour, Paul. Ça va? Oui, tout à fait. Oui. Ah, ben moi, ça. Eh ben, bien sûr, moi. Très, très bien. En tout cas, les amis, en tout cas, c'est un plaisir de vous retrouver enfin après un mois de passer en vacances. Alors, n'oubliez pas que vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux. Alors, sur Facebook, bien sûr, sur Instagram, bien sûr, sur notre chaîne YouTube aussi, que vous pourrez découvrir cette émission aussi qui est filmée en direct, hein, aussi bien sur Facebook que sur la chaîne YouTube. Alors, vous pourrez nous suivre et justement découvrir qui est Harold Stewart, bien sûr. Et puis, sans oublier le numéro de téléphone, vous pouvez nous joindre à n'importe quel moment, parce que c'est votre radio, au 05 96 768, pardon, 268. Et voilà, bon, j'ai tout donné, j'ai tout annoncé. Oui, pour ceux qui préfèrent les chiffres deux par deux, deux par deux. Voilà, et bien sûr, nous allons commencer avec une chanson aussi pour vous dire combien mon compte en oisote. Justement, nous allons commencer avec l'artiste dédié, compte en oisote, et on se retrouve juste après avec notre invité, Harold Stewart. Tu connaissais? Oh, ça m'a plu, j'ai vu ça pendant les Dédicace. vacances. Dédé, ouais, Dédé, c'est C'est DDK. ça m'a plu. Je crois que C'est déjà ça connu, fait hein. longtemps qu'il fait de la musique. Il a commencé en 2016, je crois, il me semble, comme Oui, j'ai vu même sur avant, les. parce que Dédicace, on est un peu comme si il était sur une compil raga ou un truc comme Ah, ça, oui, depuis parce quelque qu'effectivement, il a temps. commencé Ouais, sur. Avec une maison de disques, justement, qui fait du raga, je pense que Et celle-là, il a c'est un sorti. doigt de voix. Et là, il a sorti ça cet été, donc. Ouais, ça pourrait correspondre. Le flow, le style. Je connais ça pas. J'ai découvert plein d'artistes pendant les vacances, ben, que je vais ramener ici. On va s'écouter. C'est ça, tranquillement. Voilà. Il y a beaucoup d'artistes africains aussi. Mais il y a une tendance, Ouais, effectivement, afrobeat. afro-beat et tout, tout ça. La plupart sont des Nigériens, la plupart. Et ça diffère, hein. Comment? Ça semble être une Ah, déferlante. exactement, tout à fait. J'ai même trouvé une pépite entre Haïti et l'Afrique, le Tchad. Ah ouais. C'est vachement bien. Ouais, ça se roule, puis Ouais. ça fait des succès qui se succèdent. Voilà, très bien. Et ça marche bien, et c'est entraînant. Moi, je veux dire, cet été, j'ai passé mon temps quand même là, pour voir qu'est-ce qui est sorti, qu'est-ce qui pourrait passer ou pas. C'est ça. Ok. Ouais.
Eh bien voilà, c'était la manière de vous dire que je suis contente de vous voir, donc content oisote. C'était dédiqué, content oisote. Ouais, moi je ne connaissais pas du tout, c'est là que j'ai découvert. Ben voilà, ça sera pas très sympathique. Voilà, moi aussi finalement, que je connais, que je découvre tout juste. Donc voilà, ben, on va découvrir justement un autre artiste qui nous accompagne durant cette heure, Harold. Bonjour Alors, à tous. voilà, alors comment vas-tu? Alors qui es-tu? Qui est Harold au général? Ben, Comment te Harold, oui, présentes-tu? comment je me définis, ben, Oui. comme un habitant supplémentaire, quoi. La Terre, c'est-à-dire que bon, je vis, j'évolue, j'ai certes des passions, donc ces passions notamment la musique, l'écriture, et donc en fonction des événements, des possibilités, des humeurs, donc je m'exprime, soit en écrivant, soit en chantant, en réagissant à l'actualité, puisque la plupart du temps c'est une réaction. Dans tes textes, tes inspirations viennent essentiellement, pas essentiellement, mais En fait, pour peu que je me sente concerné par un sujet, je n'hésite pas à l'aborder, puisque les mots sont là pour me le permettre. L'inspiration fait qu'on trouve un air sympathique. Deux, trois accords à la guitare, ça peut inspirer ou décourager, parce que parfois le découragement guette. Donc la guitare reste là pendant 3 jours, 3, 4 jours, voire semaine. Et puis voilà, Après, il y a ce sont des périodes de Oui, déclic. voilà, parce qu'il y a même aussi pour ceux qui écrivent aussi dans le truc de la feuille blanche, Ah ben oui, voilà, comme le syndrome certains, de la feuille blanche, voilà, comme certains écrivains, donc ça arrive. c'est plus grave hein, quand on pense à ça, c'est déprimant. Mais non, mais après, on revient vite, Bien donc on entendu. se ressaisit vite, et On la noircit, quoi, voilà, de mots. de mots, et après, on les met en ordre, et puis ça Oui, nous fait voilà, faire ça fait des belles voilà, histoires. satisfaction au bout. Voilà, tout à fait. Alors dis-moi, je sais que tu fais de la musique, tu es auteur, compositeur, Et j'ai longtemps hésité sur le troisième élément, l'interprétation. Alors, je me suis dit, dois-je me définir comme un interprète? Puisque, en m'écoutant, je ne sais pas si je me serais retourné sur le fauteuil. Bah. Ah oui, en référence à une certaine émission. C'est Oui, ça. tout à fait. Donc, Bah, oui, mais écoute. par la force des choses, c'est auteur, compositeur, interprète, puisque jusqu'à maintenant, auteur, donc j'écris. Compositeur à la musique et j'interprète jusqu'à ce que d'autres personnes m'accompagnent ou me remplacent. Donc pour le moment, c'est ça. Ouais, donc tu as les trois casquettes Voilà. pour toi. Ouais. Eh ben si tu nous interprètes une de tes chansons, Eh bien oui, voilà, pourquoi pas? je vais le faire. Et puis comme j'ai sollicité votre contribution, Ah ben ça va être un plaisir. Bon, parce qu'en je fait, vais le essayer de sujet, faire mieux. voilà, nous sommes tous concernés par le sujet qui va suivre, hein, donc c'est payer. Ah bon, de toute Payer, façon, on fait ça. payer, combien ben, qu'à payer. Donc, Bah, je me comme on dit, la liste n'est pas exhaustive, donc j'ai pris quelques éléments. Donc la voiture, les factures, la toiture, les chaussures, les fournitures et aussi la confiture, quoi. Il faut payer tout ça. Ah ben, ça Donc va être c'est chouette. parti. Ah, c'est parti. Moi, je t'accompagne au Au cœur. feeling, il n'y a Ben, pas de souci. je ferai au mieux. Thank you.
Payer, pourquoi pas, ça coule de source. Voilà. Mais c'est bien, et j'aime bien, c'est entraînant, c'est sympathique. Bravo. On paiera tous désormais avec le sourire. On va essayer. Ah, oui. D'accord. Oui, mais pourtant... Si vous savez ce qui se passe à la télé. C'est ça, exactement, tout à fait, tout à fait. En tout cas, merci, c'est encourageant. Et c'est ce genre d'initiative qui permet à beaucoup d'artistes effectivement de pouvoir sortir un peu de l'ombre, de s'exprimer, de partager. Exactement. Et justement, en parlant de ça, est-ce que durant les vacances, tu as pu justement t'exprimer sur scène ou dans d'autres radios? J'ai eu l'occasion de le faire il y a quelques années. Maintenant, je l'étais consacré à autre chose, mais pendant les vacances, j'ai toujours ma guitare. Donc certaines personnes ont eu l'occasion de me voir à côté de la plage, à Saint-Cruz, en bas, au pied de bras, voilà. Ah. Donc c'est là, en fait, c'est là ma scène pour l'instant. Ah bon, c'est tout aussi bien, c'est simple, hein, et puis les gens viennent t'écouter, pour ceux qui t'apprécient. Voilà. J'apprécie aussi la discrétion, mais à un moment, il faut pouvoir s'exposer. Oui, aussi, pour pouvoir se faire connaître, parce que quand on est talentueux, il faut quand même que le reconnaisse. Bon, merci d'avoir eu l'occasion de le repréciser. Ben oui, de le reconnaître, de se faire connaître aussi. Merci. Donc voilà, ça va. Donc tant mieux si tu as pu de modestement t'exprimer. Voilà, merci de me donner l'occasion. Ça a été grand plaisir. Ça marche. Donc voilà, on va écouter encore quelques notes de musique. Hein. On va écouter. Qu'est-ce que vous avez prévu d'écouter aujourd'hui? Ah ben. Il y a beaucoup de choses, c'est vrai. Ah ben on va aller voir Gloria Estefan, parce qu'effectivement c'est leur anniversaire à Gloria Estefan, à l'âme. Un des jumeaux des Bee Gees, je ne sais pas, tu connais le groupe Bee Gees? J'en ai entendu parler, mais pas suffisamment pour voir de qui voilà. Voilà, c'était une lave, samedi soir. Okay. Bon, c'est celle qui a marqué le plus, hein, en fait, compte. C'est donc c'est un des jumeaux, parce qu'il y en a un qui est décédé, mais l'autre c'est son anniversaire également aujourd'hui. Ah ben on va rester dans la Caraïbe, hein. Alors, on va rester à Cuba, on va écouter Gloria Estefan, Mi Tierra. C'est parti. Et moi, tu sais, au début, j'étais tellement bête. Quand j'ai regardé l'émission télévisée,
Et puis on disait, bon, mais on va vous présenter Gloria et Stéphanie. Ah, tu t'es dit, ben... Alors, je vois Gloria arriver, mais... Stéphanie. C'est après que j'ai compris que son famille était et Stéphanie. Ok, d'accord. Non, mais après, on a des trucs comme ça. Moi, je dans le temps, ma mère avait un disque, c'était Gustave Vicam. Et puis il y avait la petite fille qui chantait Maman débile ou pas débile. Oui. Ouais. Et ben, au début, je n'avais même pas trop compris son nom. Hein. Moi, Stevie, c'est ça. Oui, Stevie la fille. Oui. Mais je n'avais même pas saisi que le prénom de la chanteuse, c'était Gustavie. Mm-hmm. Au début, je pensais même que c'était un homme qu'on présentait, ouais. Gustave. Oui. Icam. Donc, on n'a pas partagé une bêtise. Voilà, c'est ça. Et c'est un long temps après que j'ai compris que Gloria et Stéphane étaient une seule et même personne. Je me dis, ah, d'accord. Okay. Donc, c'est une anecdote comme ça qui reste et qui est sympathique. Oui, après, c'est pas méchant. Non, pas du tout. Il m'est arrivé plein de trucs comme ça. Une fois, on était en visite. J'étais en France, hein, parce que j'ai vécu pas mal d'années en France. Et on a visité le château de Vincennes. Bon, j'étais sûrement en CM1, CM2, je ne sais plus. Puis il y avait les mannequins, mais les mannequins étaient tellement bien faits, c'est habillé d'époque et tout. Hein. Mmh. Et puis là, je suis là devant, je suis en train de leur parler, alors comment on fait pour rester des heures Je dis, oh la honte. Je dis, oh la honte, mais ce sont des mannequins, ils n'étaient pas vrais. Ouais, ouais. Encore alors. On a le droit de se tromper. Comment? On a le droit de se tromper. Ah ouais. On découvre les choses. Mais oui. C'est tellement bien fait, et la tenue d'époque, et puis même la poupée, enfin le mannequin, c'est bien. C'est un hommage que tu rendais au travail de la poupée. Ouais, exactement, et c'est du travail. Il faut reconnaître aussi que tu es. Alors après, tu as la chanson, tu as une autre chanson aussi à nous. Oui, j'ai une autre chanson, mais je vais le maximum pour la Bah, si tu veux, entre temps, on va parler du livre, comme ça ta voix va te. Et puis après, on va rebasculer sur le chant, histoire de remettre le cadre vocal au repos un petit peu. Comme en fait, il y a 2-3 jours, là, c'est une petite affection grippale. Oui. La fille n'est pas trop forte en fait. Non, je pense que ce soir. Oh, mais ça fait du bien d'avoir des artistes, tu sais, qui. Comme toi ou comme d'autres hein, qui sont dans ton cas, qui ne pas venir dans les bons. Après, les grandes radios, ils ont forcément leur habitude de faire des artistes connus. Après, c'est une question d'étape. Hein. Oui, après, il faut être prêt aussi à se reconnaître tant que tel et puis après aller. Voilà, matière à présenter. Mmh. Plus souvent, l'artiste est précédé par ce qu'il a fait. Ouais. Oui. S'il a sorti un truc, ça a déjà tracé un peu sa route, on va dire. Donc tu me vois qu'il n'a pas encore sorti. Mais c'est différent. Pardon. Comme moi, si jamais je sens, c'est sûr que ça sera différent, parce que ça fait un travail en amont, mine de rien. Oui. Talentueux ou pas, les gens, s'ils ne te connaissent pas, des fois, ils vont découvrir ton talent, mais pour le découvrir, il faut que tu sois déjà là. Déjà ouais. C'est ça. Et ben voilà, c'était Gloria et Stéphane toute seule, que c'est la seule et même personne. Donc je me demandais toujours quand elle était à la télé, Gloria et Stéphane. Je dis oui, Gloria, mais Stéphane est où? Donc c'est longtemps après que j'ai compris que c'était et Stéphane, son nom de famille. Donc c'était la seule et même personne. Donc voilà, bientôt toujours dans les villes anglais FM, toujours avec notre invité Harold Stewart. Et nous allons poursuivre aussi, de découvrir l'artiste, hein, toujours. Mmh. Alors tu ne fais pas que faire de la musique. C'est pareil, tu as aussi une plume, une belle plume. Ouais, une plume. Une plume deep, quoi. Ouais. On va dire ça comme ça. Donc, je l'ai mentionné effectivement tout à l'heure, l'écriture. Donc, déjà pour composer, il faut écrire. Oui. Créer une histoire, écrire. Donc, même avant la musique, j'affectionnais déjà l'écriture, la lecture.
j'ai eu l'occasion d'écrire beaucoup et pour d'autres personnes et finalement j'ai pu compiler certains de ces écrits pour produire l'ouvrage que j'ai sorti en 2014, auto-édition, un ouvrage d'anecdotes où je parle de choses vécues ou observées. Et un peu comme les fables de La Fontaine, il y a une petite morale à la fin. À la fin. Voilà. Surtout que le titre du livre, Livraison à domicile, donc alors, c'est, le dire comme ça ne signifie pas grand-chose, mais il faut le voir, effectivement, ce sont des mots, donc livre, ensuite raison, ado, nos chers ados, miss, notre genre féminin, et puis il. Donc livraison à domicile, chaque mot signifiant et une signification pour donner une livraison, quelque chose qu'on n'a pas forcément commandé, donc on est surpris lorsque l'on sonne à notre porte. Mais il nous appartient de saisir cette paix qui nous est gracieusement offerte. Tout à fait. Donc, il faut savoir, quand on donne, il faut savoir, recevoir aussi. Oui, tout à fait. Il faut, même si on est surpris, après une rapide analyse, on se dit, tiens, ce serait peut-être judicieux d'accepter. Voilà. Donc, on ne sait pas ce qu'il peut y avoir derrière. On ne sait pas, mais ça, c'est de bon augure, manifestement. Voilà, ben, c'est bien. Donc tu as tout fait tout seul en fait. C'est vrai que c'est un domaine qui m'était inconnu, donc il a fallu que je fasse des recherches sur Internet, sur la pagination, comment ça se passe, que j'ai plusieurs modèles de livres en main, que je vois un peu comment ça se passe. Et puis il y a quelqu'un qui m'a fait la couverture, toujours avec mes instructions, ce que je voulais. Et puis voilà, ça a donné ce travail, ce résultat. C'est un travail de longue haleine, surtout quand entre les fichiers perdus, entre l'inspiration, la fameuse page blanche. Les pages blanches m'ont fait avoir des nuits de la même couleur. Des nuits blanches. Tout à fait. Donc après, mais est-ce que tu as pu avoir de bons retours sur ton ouvrage? Alors, ici, en fait, bien vendu, chaque vente était bien. Maintenant, je ne sais pas si on peut appeler ça bien vendu, mais c'était d'abord l'occasion pour moi de relever un défi, de vivre une expérience intéressante, puisque j'ai pu rencontrer beaucoup de monde à travers les sujets évoqués, violence envers les femmes,